Bonjour et bienvenue à PenseBête.tv. Aujourd'hui à l'émission, on est gonflé à bloc. On a envie d'aller bouger, de sortir à l'extérieur avec notre animal de compagnie parce qu'il sera question d'activité physique. D'activité physique autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. On aura l'occasion de vous dresser un portrait de tout ce que vous pouvez faire ou du moins de plusieurs choses que vous pouvez faire avec votre animal de compagnie. Et on aura l'occasion aussi de parler de stérilisation dans quelques instants, mais juste avant, je vous présente ma co-animatrice de l'émission aujourd'hui, Anaïs Blanchette. Bonjour Anaïs. Bonjour. Et là, on a Boris qui tente de déserter le plateau. D'après moi, Boris a soif. Veut aller prendre une petite gorgée d'eau. On le sait hein, quand on est un athlète. Mais non, je fais des blagues, mais c'est parce qu'on va parler d'exercice physique avec notre animal de compagnie. Et tu es maintenant spécialiste en la matière. Alors, c'est la raison pour laquelle on t'accueille à l'émission aujourd'hui. Pour ceux qui ne te connaissent pas, on t'a vu notamment dans la capsule Trottinette des neiges, également dans la capsule de Canicross avec ton fidèle compagnon Boris, qui est en train justement Exactement. De prendre sa gorgée d'eau. On aura l'occasion de le revoir avec nous tout à l'heure, mais j'aimerais que tu nous en parles malgré son absence. Boris, tu l'as depuis combien de temps? Boris, je l'ai depuis qu'il est petit. Alors, petit à petit, on a appris à aller jouer dehors, à aller marcher. Et au fur et à mesure, on a augmenté l'activité physique aussi en fonction de son âge. Alors maintenant, c'est devenu un vrai athlète. Et c'est un vrai athlète. Oui. Il a un corps d'athlète. Dis-moi, Boris, c'est quelle race de chien? Ah, il est mélangé husky et boxeur. Husky boxeur, et quel âge a-t-il maintenant? Il a 4 ans. Bon, et on va essayer de faire... Boris, reviens avec nous. Viens là, Malou. Est-ce que tu viens? Ah, les gâteries. Boris? On peut tout faire Viens avec une gâterie. Ça va être bon, ça? Viens. Bon, alors Boris qui revient, et justement, parce qu'on aura l'occasion de parler d'exercice physique, Boris, tu le mentionnais, qui est rendu un athlète, tu as l'occasion de sortir à l'extérieur. Oui. Il faut le dire que de prendre le temps de sortir à l'extérieur avec son animal pour pratiquer une activité physique, c'est bon pour lui, mais c'est aussi bon pour nous. Tout bon à fait. Sur notre morale, bon pour notre corps, et aussi bon sur la culpabilité, on pourrait dire, qu'on peut ressentir lorsqu'on sait qu'on ne fait pas bouger notre animal suffisamment. Ah oui, ça c'est sûr. Tout juste avant, par exemple, Anaïs, j'aimerais qu'on parle de stérilisation. Le mois de février, c'est le mois de la stérilisation animale au Québec. Oui, justement, le 26 février, c'était la Journée nationale de la stérilisation au Québec. Et justement, on s'est rendu compte qu'une journée, c'est pas assez pour parler de stérilisation. L'Association des médecins vétérinaires qui s'est dit, on doit faire de la sensibilisation, de la prévention, mais sur une plus longue période. C'est la raison pour laquelle on a décidé de faire une semaine nationale de la stérilisation au Québec qui se passe du 26 février au 4 mars. Oui. Alors, pendant cette semaine-là, les médecins vétérinaires qui vont vraiment faire un effort supplémentaire pour tenter de sensibiliser les gens, les encourager à faire stériliser leur animal de compagnie parce qu'on le sait, les refuges débordent d'animaux qui sont laissés à l'abandon. Il y a même certaines races ou certains animaux là, qui doivent être euthanasiés quasiment dès la naissance parce qu'on n'est pas en mesure de leur trouver un foyer. Et puis, à un moment donné, le surpeuplement, eh bien, ça existe. Alors, c'est la raison pour laquelle on prend un petit moment pour en parler davantage de la stérilisation et de l'importance de le faire. Je vous donne quelques statistiques. Par exemple, près de 200 000 chats ne sont pas stérilisés au Québec annuellement. On parle de des dizaines de milliers de chats et de chiens qui naissent, qui ne trouvent pas de foyer. On en parlait un petit peu plus tôt. Alors, du côté de l'Association des médecins vétérinaires du Québec, on essaie vraiment très, très fort de trouver des solutions, de trouver des moyens pour un peu stopper ce surpeuplement-là et pour encourager les gens à prendre des initiatives. Et le but, c'est aussi de faire réagir non seulement la population, mais le gouvernement aussi. Il y a d'ailleurs certaines mesures ou certaines choses qui sont mises en place un peu partout au Québec. Oui, tout à fait. Un bon exemple à Laval, où ils incitent très fortement la population à micropucer et à stériliser leurs animaux. Et justement, cette exigence-là de la micropuce, également de la stérilisation, eh bien, selon l'Association des médecins vétérinaires, il faudrait que ce soit la norme, c'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit un peu un minimum de ce qui est exigé de la population québécoise, justement pour encourager les gens à faire de l'adoption responsable d'animaux de compagnie. Et c'est fou parce qu'on réalise là, que de plus en plus de foyers ont des animaux de compagnie. Juste du côté des chats, on dit qu'il y aurait 2 millions de chats à peu près qui seraient dans les foyers là, québécois. Alors, c'est assez impressionnant, là. Oui, 33 % des foyers possèdent un chat aujourd'hui. Et là, tu le dis, 33 % des foyers qui possèdent un chat. Mais imagine, Anaïs, il y a 20 ans, c'était 23 % des foyers qui possèdent un chat. Alors,
en 20 ans seulement, on a 10 % de plus de chats qui sont dans les maisons québécoises. Ouais. Alors vraiment, là, c'est un cri du cœur que je fais pour vous aujourd'hui, mais faites stériliser vos animaux de compagnie. C'est tellement important. C'est la raison pour laquelle on est là, en fait, aujourd'hui. C'est pour parler, justement, de l'adoption responsable. C'est pour aider les refuges à trouver des bons foyers. Mais pour tenter de trouver des foyers aux animaux de compagnie, bien, il faut arrêter de remplir les refuges, justement, parce qu'ils ne sont pas suffisamment stérilisés. Et... on est plusieurs, en fait, vous êtes plusieurs sans doute à la maison aussi à vous rendre du côté de la clinique vétérinaire pour faire stériliser votre animal. Je suis certaine que Boris s'est stérilisé. Tout à fait, depuis que son plus jeune âge, depuis qu'on a pu le faire. Ouais. Donc, Boris qui est stérilisé, eh bien, tu es allé le porter sans doute à la clinique vétérinaire. Oui. On prend l'animal en charge, mais là, oups, on ne sait pas trop ce qui se passe derrière. Et c'est vraiment là, dans une espèce d'élan de curiosité qu'on a voulu aller voir. Qu'est-ce qui se passe lors d'une stérilisation animale en clinique vétérinaire? Et on a notre collègue de PenseBête.tv, Nancy Morin, qui a la clinique vétérinaire du littoral et qui a fait une stérilisation sous l'œil attentif de notre caméra. On en voit un extrait. Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous êtes à la clinique vétérinaire du littoral pour être témoin d'une stérilisation. Donc, le mois de février est le mois national de la stérilisation. Et pour cet événement, on a décidé de faire une petite journée particulière et puis de suivre Samba pour sa stérilisation. Samba est une petite femelle Golden Retriever de 9 mois. Donc, vous suivrez avec nous toutes les étapes de la stérilisation. Fait que là, en ce moment, ils vont raser un petit peu Samba pour qu'on puisse bien voir sa veine jugulaire. Comme vous pouvez voir, c'est pas toujours facile. Faut aller avec des contentions. Puis si vous entendez un petit bruit de fond, c'est Jennifer qui fredonne une chanson pour essayer de calmer Samba. C'est une de nos techniques sans stress à la clinique. Donc là, on voit bien la veine. Fait que Valérie va procéder à la prise de sang au niveau de la veine jugulaire. En fait, là, Samba est sous l'effet de son pré-anesthésique. Donc, comme on peut voir, elle est tranquillisée. Donc, Valérie va poser son cathéter intraveineux. Là, en ce moment, elle désinfecte la peau avec ce qu'on appelle des passages, avec de la chlorhexidine et de l'alcool. Fait qu'elle prépare la petite patte à avoir le cathéter pour que tout soit bien propre pour poser le cathéter pour éviter les infections. Donc là, maintenant, Dr. Chloé Lavigne est avec Jennifer, puis ils induisent ce qu'on appelle Samba, c'est-à-dire qu'ils lui donnent une drogue pour qu'elle tombe complètement sous sédation, pour qu'on puisse procéder à l'intubation endotrachéale. Comme on peut voir, là, elle devient de plus en plus mollo. On utilise un laryngoscope qu'on appelle, un laryngoscope pour pouvoir ouvrir bien le pharynx et procéder à l'intubation. Dr. Lavigne vient de faire ça comme une championne. Fait que là, on lui pose de l'oxygène avec un gaz anesthésique pour qu'elle puisse rester endormie. Fait que maintenant, Samba est complètement endormie. Fait que là, on met un petit gel lubrifiant parce que les yeux, des fois, restent mi-clos durant la chirurgie. Fait qu'on veut s'assurer que les yeux de Samba ne sèchent pas. Fait qu'on met un petit peu de lubrifiant dans ses yeux. Là, on a installé Samba sur le dos. Puis là, on pale pour voir si sa vessie, elle est pleine parce que durant la chirurgie, on ne doit pas avoir une vessie pleine. Donc, on va vidanger la vessie. Dr. Lavigne est en train de vidanger la vessie. L'étape suivante, on est en train de raser le poil à Samba parce que, bien sûr, dans tout le plan chirurgical, il ne faut pas qu'il y ait de poils pour que tout soit bien propre. Fait qu'on est en train de raser
l'abdomen de Samba, qui fait dodo toujours. En ce moment, Valérie est en train de faire ce qu'on appelle le scrub. Donc là, elle passe un savon sur la peau à Samba pour s'assurer qu'elle est bien, bien propre. C'est un petit savon qui va être étendu sur son abdomen puis laisser agir pendant quelques minutes. L'étape suivante, maintenant, il y a la préparation du chirurgien. Donc, Dr. Lavigne va procéder à son scrub, elle. Donc, elle va se laver les mains de façon systématique et efficace pour s'essuyer les mains ensuite. Mais vraiment une préparation avant de s'habiller chirurgicalement et stérilement pour la chirurgie. Alors, comme tu vois, Anaïs, c'est toujours un plaisir de voir que l'opération s'est bien déroulée. Samba, qui était très en forme, on la voyait tout enjouée dans la neige. Maintenant, on change tout à fait de registre, en fait, parce que c'est le moment de notre capsule découverte. Et Anaïs, il faut le dire, on a de la suite dans les idées ici à pensebête.tv parce que capsule découverte, on parle de remise en forme, et bien pourquoi ne pas parler d'une belle occasion de bouger avec son animal de compagnie, de faire du yoga. Oui, ça existe, le yoga avec chien, on appelle ça le doga, dog et yoga. Un petit diminutif, exactement. Et oui, ça se fait de pratiquer le yoga avec son animal de compagnie, et même que c'est de plus en plus populaire de le faire. Alors, vous comprendrez que toutes les positions ne sont pas possibles pour notre animal de compagnie. Il serait très difficile, par exemple, pour Boris de faire l'arbre. Toutefois, comme la position que vous voyez à l'instant, là, le chien tête baissée, eh bien, c'est faisable. On peut apprendre à notre animal de compagnie à faire du yoga avec nous, et on se rend compte que oui, ça a des bienfaits sur nous, le propriétaire, parce qu'on se sent beaucoup plus calme, on se sent plus relax et ça nous fait bouger par le fait même. Oui. Mais aussi pour notre animal de compagnie qui a tendance à devenir un petit peu plus calme, relaxé. Alors, les bienfaits sont ressentis de part et d'autre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que votre animal de compagnie n'a pas besoin d'être un expert ou d'être entraîné pour faire du yoga. Juste de pratiquer le yoga et d'avoir notre animal qui circule autour de nous, par exemple, on peut lui faire une petite flatte une fois de temps en temps. Juste ça, c'est suffisant pour apporter le contact. Et puis, les chiens ressentent beaucoup, hein? les chats ressentent beaucoup l'émotion qui émane du propriétaire. Alors, si on est dans un état de calme à l'intérieur, eh bien, notre animal de compagnie va le ressentir lui aussi. Bien oui, tout à fait. C'est un beau défi, moi, que je me lance cette année, de faire du yoga avec Boris. Eh bien, une fois que tu auras réussi, assure-toi de venir nous montrer tes réussites et tes exploits à Pense-Bête, parce que moi, je serais vraiment très curieuse de voir ça. Justement aussi, comme on voit sur les images, aux États-Unis, il y a un refuge qui a mis en place une très belle chose, des cours de yoga avec des chats. Fait que les personnes font du yoga et les chats peuvent circuler autour d'eux et ils peuvent également les prendre dans les bras pour certaines positions. Et c'est un très beau défi, et en même temps, ça amène
les gens à venir à un refuge et pourquoi pas à s'approprier à peut-être être tenté d'adopter. Exactement. Et puis en même temps, c'est une belle façon de peut-être sociabiliser justement ces animaux-là, parce qu'on le sait, les animaux de refuge sont parfois des animaux qui peuvent être un peu craintifs, qui ont été un peu écorchés par la vie. Alors le fait de pouvoir justement être dans une atmosphère calme, une ambiance calme avec des gens qui sont dans cette espèce de mood, on pourrait dire relax, eh bien ça peut aider justement à faire baisser un peu la pression dans le refuge pour ces animaux-là. Oui. Et vraiment, une très, très belle initiative. À Caen, au Québec, eh bien, on pose la question. Si l'idée vous plaît, libre à vous de vous y lancer. Et justement, eh bien, ça peut encourager, comme tu le disais, les gens à adopter des animaux de refuge. Et on est là pour ça, PenseBête.tv, à aider des refuges à faire adopter les animaux qui y sont disponibles. Et c'est pourquoi on est rendu à la capsule Adoption. Algo est un mâle âgé d'environ 1 an et 3 mois, vacciné, vermifugé et stérilisé, disponible à la SPA Beauce et Chemin au 418-774-8803. Barley est un labrador croisé, mâle, âgé d'environ 13 mois, vacciné, vermifugé, stérilisé. Il demande un propriétaire présent, patient et très actif. Il faut également bien connaître les chiens. Conseillé pour une famille ayant des enfants âgés de plus de 8 ans. Beckham est un boxeur mâle âgé d'environ 7 ans 4 mois. Il est vacciné, vermifugé, stérilisé. L'expérience avec les chiens serait un atout. Il est très actif, idéal pour une famille avec des enfants âgés de plus de 10 ans et pas d'autres chiens. Bourru est un mâle âgé d'environ 3 ans, vacciné, vermifugé, stérilisé. Il est très affectueux, actif et joueur. Il n'est pas habitué aux autres animaux ni aux enfants. Disponible à la SPA Québec au 418-527-9104. Caporal est un mâle âgé d'environ 3 ans et 3 mois. Il est vacciné, vermifugé, stérilisé. Disponible pour adoption à la SPA Beauce et Chemin au 418-774-8803. Falcon est un mâle âgé d'environ 10 mois, vacciné, vermifugé, stérilisé. Disponible pour adoption à la SPA Beauce et Chemin au 418-774-8803. Farah est une femelle âgée d'environ 9 mois. Elle est vaccinée, vermifugée, stérilisée. Disponible pour adoption à la SPA Beauce et Chemin. Magic est une femelle âgée d'environ 4 ans et 3 mois. Elle est vaccinée, vermifugée, stérilisée. Disponible pour adoption à la SPA Beauce et Chemin au 418-774-8803. Tigresse est un boxeur croisé, femelle, âgé d'environ 1 an 9 mois, vacciné, vermifugé, stérilisé. Faut être très actif, bien connaître les chiens. Idéal pour une famille avec des enfants âgés de plus de 10 ans. Yo est un mâle âgé d'environ 3 ans, vacciné, vermifugé, stérilisé, ne va pas à l'extérieur, a besoin d'un environnement calme et n'aime pas se faire prendre. Disponible pour adoption à la SPA Québec au 418-527-9104. Et Anaïs, voilà, on y est rendu au moment où on bouge, où on se fait aller un petit peu. Bon, écoutez, sur le plateau, ça va être peut-être un peu tranquille, là, mais ça va nous donner, par exemple, des belles idées et inspirations pour sortir à l'extérieur, bouger avec notre animal de compagnie, parce qu'il n'y a
que des avantages à sortir et faire une remise en forme avec son animal. Tout à fait, il n'y a que du positif et encore plus quand on le fait avec notre animal, que ce soit à l'extérieur ou en intérieur. Oui, parce que c'est vrai, il y a des options qui se font là, pour l'un ou pour l'autre. On l'a vu tout à l'heure, entre autres avec le doga, oui. Le yoga qui se fait à l'intérieur, entre autres choses. Et toi, tu as l'habitude d'être très active là, avec Boris. Oui, tout à fait. Je marche environ 1 heure et demie par jour avec lui. Le matin et le soir, mais 1 heure et demie au total. exactement. Mais puis, en plus, à travers de ça, je fais des sorties de canicross avec notre groupe de canicross, mais on en parlera plus tard. Mais justement, parce que là, on t'entend parler, puis là, moi, je me dis, mon Dieu, 1 heure et demie de marche avec Boris par jour, le canicross, je suis vraiment pas rendue là. Par contre, est-ce qu'on doit se sentir comme coupable de ne pas avoir cette espèce de d'être rendu à cette étape-là? Ou est-ce qu'on peut se dire, non, on va prendre une chose à la fois et puis on va commencer par le commencement? Bien, c'est tout à fait. Il faut y aller progressivement. De toute façon, c'est important de se respecter soi et de respecter notre animal. Mais c'est bien de mettre à notre horaire notre animal. C'est sûr que de faire une petite sortie, c'est important pour lui. Puis en même temps, nous, ça nous fait nous prendre l'air, ça nous fait nous changer les idées. Parce qu'il faut dire que c'est souvent quelque chose qu'on a tendance à faire, de mettre son objectif peut-être un petit peu trop élevé, de se dire... Moi, demain, je me mets à la course, je vais aller faire 5 km avec mon Yorkshire. Peut-être pas la bonne idée. Non, peut-être pas la bonne idée. Effectivement. Il faut y aller progressivement, puis prendre en considération aussi notre animal. Est-ce qu'il a son niveau d'énergie, est-ce qu'il a besoin vraiment qu'on fasse un 5 km? Quel âge il a, son âge? C'est important de respecter son développement aussi, sa première année, en fait. On le voit grandir, fait que... À ce moment-là, on peut faire un petit peu moins d'activités, trouver d'autres objectifs. Exactement, le temps, par exemple, qu'il soit complètement formé, qu'il ait terminé sa croissance. Oui, c'est exactement ça. Et là, je pense qu'il faut aussi prendre en considération plusieurs facteurs, l'âge, la condition médicale aussi de notre animal. Oui, la condition médicale, tout à fait, qui est très importante aussi à prendre en considération selon les activités physiques. Puis, notre animal aussi peut avoir certains intérêts, comme il y a d'autres activités physiques qu'il peut moins apprécier. Donc, quelqu'un qui sera à la maison, qui n'a jamais vraiment pratiqué d'activité physique avec son animal de compagnie, se dit, bon, mon chien est âgé de je ne sais pas, moi, 7, 8, 9 ans. Est-ce que c'est trop tard pour s'y mettre ou il n'est jamais trop tard pour se donner le petit boost qu'il faut là, pour y aller? Il n'est jamais trop tard. Il faut y aller progressivement, par exemple. Et justement, tu as quelques propositions à nous faire d'activités qu'on peut pratiquer avec notre animal de compagnie. Je suis bien curieuse de savoir ce que tu nous apporteras à l'émission. Tout à fait. Alors, on peut parler de l'agilité, tout d'abord. L'agilité, qui est un sport où le chien doit traverser plusieurs obstacles. Il peut traverser des tunnels, monter sur des petites pente, là, traverser d'autres obstacles. Et c'est drôle parce qu'on dirait qu'on a l'impression que notre chien doit être entraîné pour faire de l'agilité, c'est-à-dire que tant qu'il n'est pas bon, on se dit « Ah non, on ne peut pas lui faire ça », mais ça se travaille. Ça se travaille tout à fait petit à petit. Avec du renforcement positif, on peut là, arriver à le faire traverser plein d'obstacles. C'est petit à petit, un petit pas par un petit pas. Puis, nous aussi, l'agilité, on peut penser que c'est juste le chien qui va aller faire plein d'obstacles, mais nous, on court aussi avec lui pour l'amener d'un obstacle à l'autre, fait que ça travaille notre cardio. Oui, absolument. Et puis, pour le chien, est-ce qu'il y a une façon où que c'est mieux de commencer ou bien juste avec des objets, des choses qu'on a à la maison, on peut commencer à lui faire de l'agilité? Je pense qu'on n'a pas besoin nécessairement d'acheter d'équipements spécialisés au début, là. Non, pas du tout. On peut tout simplement chez nous en faire. Se créer un petit obstacle, c'est assez simple. Ou alors, on peut aller dans des parcs, quand il n'y a pas d'enfants ou quoi que ce soit, les petits tunnels, on peut le faire traverser. C'est sûr qu'on s'assure que l'environnement soit libre pour ne pas déranger les enfants, etc. Mais il y a plein de petits endroits qu'on peut leur faire travailler leur agilité. Et avec l'agilité, on travaille le corps de notre animal, mais aussi son esprit. On le sait que c'est très important de faire travailler les deux un peu en combo. Parce qu'on parle beaucoup de l'activité physique, mais l'activité mentale pour les animaux est très importante aussi. À ce moment-là, on peut plus le travailler quand il pleut dehors ou quand il neige trop, mais ça, c'est derrière nous l'hiver, on est vers le printemps. Tu nous en parlais tout à l'heure, le canicross, c'est quelque chose que tu pratiques avec Boris. Parle-nous-en davantage, puis j'ai hâte de t'entendre parler encore. On a eu l'occasion de faire une capsule et ça m'avait vraiment fasciné le fait que tu puisses pratiquer ça avec ton animal. Oui, tout à fait. Juste avant le canicross, par exemple, j'aimerais ça te parler de la danse, de l'obé rythmique. Oh, de la danse? On parle de la danse avec notre chien.
C'est drôle à dire, hein? Mais on pratique, c'est des tours aussi également avec nos chiens. Notre chien agit en fonction de la musique, il peut tourner autour de nous, faire des tours en fait, des tours qu'on apprend à la maison, le faire tourner, le faire asseoir, donner la patte, plein d'affaires comme ça. Puis, au rythme de la musique, on crée toute une chorégraphie avec lui. Et je pense que, parce que les chiens sont quand même des animaux très, très intelligents, à un moment donné, ils doivent venir qu'à reconnaître la musique, oui, et reconnaître un peu les pas qu'ils doivent pratiquer avec leur maître. Oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu viens, Boris? Non, Boris, il dit, moi, je veux juste la gâterie. Oui, le reste m'importe un peu. On y est rendu, le canicross, oui, rapidement, ma belle Anaïs, parce que le temps file à la vitesse de l'éclair, mais parle-moi du canicross, de quelle manière est-ce qu'on s'y met? Alors, le canicross, on court avec notre chien, comme on est attelé à notre chien en fait. Nous, on a une ceinture de canicross, notre chien a un harnais sur lui comme on va pouvoir le voir sur les images. Puis l'objectif, c'est que notre chien nous tire. On est comme le petit traîneau derrière, sauf que le traîneau, c'est nous qui courons. C'est important, c'est plus facile d'y aller en groupe pour leur apprendre puisqu'ils imitent les autres chiens. Alors, nous, à Rimouski, on a créé le groupe Caniriki, qu'on est une bonne dizaine à faire du canicross, à se rencontrer deux fois par semaine. Et ça doit aider lorsque vient temps, par exemple, de monter des côtes ou des choses comme ça, parce qu'on a comme l'espèce d'impulsion que le chien… On a l'attraction du chien qui nous aide à monter. Qui nous aide à monter. Puis, c'est un peu le même concept que la trottinette des neiges, mis à part le fait qu'à la trottinette des neiges, on peut se la couler un peu plus douce, là, lorsqu'on est le propriétaire. Mais le fait d'avoir notre animal de compagnie qui est vraiment attaché au harnais, oui, et qui a une traction qui se fait. Oui, en canicross, on est vraiment en équipe avec notre chien. Donc, quand il a besoin de notre aide, c'est à nous de travailler. Puis parfois, on peut le laisser aussi courir à sa guise. Alors également, une autre discipline aussi, un petit peu plus pour les casse-cou, le cani-VTT ou le bike-joring. Oh, je ne la connais pas celle-là. Oui, le chien, pareil avec son harnais, tracte en fait notre vélo et nous sur le vélo. Oh, que ça pourrait mal finir dans mon cas, mais c'est parce que je suis un peu gauche de nature. Alors, oui, effectivement. Et d'ailleurs, petite parenthèse, on en voit parfois aussi qui osent se lancer en patin à roues alignées avec, oui, leur animal de compagnie. Oui, aussi. Tout un autre genre de défi avec protège-coups, protège-genoux et casque. Et casque, oui. Effectivement. Mais oui, on se rend compte qu'il y en a vraiment beaucoup des choses qu'on peut faire avec notre animal. Beaucoup, beaucoup. Alors, comme vous voyez, on vous a parlé d'un paquet d'affaires, en fait, que vous pouvez faire avec votre animal de compagnie, notamment, bon, la danse, on a parlé de l'agilité, on parle, oui, du canicross. Mais n'oubliez surtout pas qu'il y a des choses tellement simples qu'on peut faire aussi, aller marcher en forêt, prendre des marches, de la randonnée pédestre. Tout à fait. Il y a tellement de parcs au Québec qui acceptent les animaux maintenant, des attraits touristiques également. Alors, informez-vous dans le coin où vous êtes, des activités que vous pouvez pratiquer avec votre animal de compagnie. Vous en serez gagnant, votre animal aussi. Tout le monde est heureux. C'est là-dessus que ça se termine aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous et à une prochaine pour PenseBête.tv.